Bien, à présent, j'ai envie de vous emmener dans un restaurant typiquement français qui s'appelle Le Bretagne et qui est situé en plein cœur du quartier de Kagurazaka à Tokyo. Et pourquoi j'ai envie d'y aller? Et bien, tout simplement parce que j'ai été intéressé par un monsieur qui s'appelle Bertrand Larcher. Il a créé ce restaurant il y a plus de 27 ans maintenant. Et j'ai beaucoup de respect pour lui puisque faut savoir qu'au Japon, le niveau gastronomique des Japonais est assez élevé et par conséquent, pour pérenniser un commerce comme un restaurant ici, eh ben, c'est une aventure, il faut dire, assez difficile quand même. J'ai été touché par son récit puisque quand on parle de crêpes, en général en France, c'est plutôt un mets un petit peu ringard, plutôt simple. Et Bertrand, là où je le respecte, c'est que je trouve que sa volonté de mettre en valeur ce mets breton, faire transmettre la culture bretonne à travers la crêpe et de devenir modestement un pont de jonction culturelle entre la France et le Japon, c'est quelque chose que je respecte énormément. En tout cas, aujourd'hui, j'ai envie de goûter sa crêpe pour la première fois. Me voici devant le restaurant et d'après tous les articles que j'ai lus sur lui, je pense qu'on va se régaler. Ça sent tellement bon, là j'ai tellement faim et on approche de midi, j'ai envie de manger et je sens déjà l'odeur de la crêpe. Et je vous assure, quand vous sentez l'odeur de la crêpe, là j'ai déjà envie de manger, je vous assure. Elles sont prêtes, ça va être le test ultime et j'espère que ça va être bon. ありがとうございます. Traditionnel. Traditionnel. Oh. Bon appétit. Arigato, bon appétit. This one is with alcohol. It's cidre Karakuchi, cidre brut. Ah, je suis tellement content après quelques années loin de France. Là, je me retrouve en Bretagne avec ce cidre brut. Oh, ça fait du bien. J'ai l'impression de retourner en Bretagne. C'est tellement bon. Ah bon, on n'a pas beaucoup d'alcool. Il n'y a que 5%. Et là, je suis devant une crêpe traditionnelle, comme vous pouvez le constater, très bien faite. Il y a du jambon, du fromage, des œufs, un petit bout de salade. Et puis, à partir de maintenant, j'attaque. Oh my god, c'est croustillant, on sent le beurre, la viande est parfaite, la cuisson est parfaite. Non, vraiment, c'est délicieux. C'est délicieux, c'est parfait. Enchanté. Alors maintenant, je vais demander la carte des desserts. On va essayer une crêpe sucrée. C'est du bassin. Vous parlez français? Oui. Waouh, superbe. Je voudrais vous demander le menu pour les desserts. Merci. Ce sont des crêpes saisonnières avec de la sakura. D'accord. Oui. Crêpes saisonnières. Oui. Ouh.
Wow, d'accord, merci. Vous parlez super bien français. Mais vous avez vécu en France? Ah d'accord, ok. Superbe, merci infiniment. Nihongo de hanasemasu. Ah ouais. Moi je connais déjà la crêpe française, mais alors j'ai jamais vu une crêpe Sakura. Vous me la recommencez? Vous la recommandez? C'est bon? Ok, parfait. Je vais prendre une crêpe Sakura. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors cette fois, j'ai pris la crêpe Sakura. Alors pourquoi je prends Sakura? Parce que vous savez, la crêpe classique au chocolat, chocolat banane, etc. Je connais ça. Mais je voulais absolument prendre une crêpe qui est un petit peu un mix entre la culture française et la culture japonaise. Et c'est pour ça que j'ai pris la crêpe Sakura. C'est plutôt bien présenté, c'est assez appétissant. La glace commence à fondre un petit peu, donc je pense que je vais commencer à prendre la fourchette et le couteau. Et on va déguster alors quel morceau. Il y a un peu de chocolat. Bon, ça a l'air vraiment appétissant. J'adore la crème de chocolat qu'il y a autour là. Je vais en prendre un tout petit peu. Goût de la cerise. Je crois qu'elle est... Ils ont mariné la cerise dans de l'alcool, je crois. Ouais, c'est alcoolisé. Non, le goût est vraiment excellent. Vraiment excellent. Là, c'est de la crème chantilly. C'est quoi comme glace, ça? Alors, la glace qui est rose, c'est censé être une glace Sakura. Je pense que c'est de la fraise. Je vais vérifier. Autre information qu'il faut retenir par rapport à cette crêperie, c'est que son créateur est aussi le fondateur de l'atelier de crêperie. Donc c'est une école internationale située à Saint-Malo qui forme les élèves à devenir des artisans crêpiers. Comme vous pouvez le constater tout à l'heure, la demoiselle qui nous a fait la crêpe d'aujourd'hui sort directement de cette école. Essaye de voir à quoi ressemblent les toilettes. J'ai l'impression d'être en France, my god. Regardez, même le robinet est un robinet traditionnel qui fait penser à la France. Et vous avez même en fait écrit froid en français. Et quand j'ouvre les toilettes, ah bah là, je vois des toilettes japonaises ultra modernes avec une télécommande sur le côté, pas le papier toilette. Hein. Ah, ça fait plaisir quand vous êtes loin de la France et que vous voyez les décorations françaises fougères. Il y a toujours des petits rappels de la France, ça fait plaisir. Surtout quand on est français expatrié et qu'on n'a pas encore revu la France depuis plusieurs années. Tiens. Maintenant, après avoir mangé, j'ai envie de vous emmener dans une boutique qui est située juste à côté du café et crêperie Le Bretagne. Il y a une épicerie et j'ai envie de vous présenter les produits qu'on peut y trouver. Alors, ça se trouve en fait juste à côté, c'est peut-être à peine ouais, 10 mètres à côté. Comme vous pouvez le constater, on se retrouve vraiment comme en France. Et là, vous allez voir, il y a plein de produits qui viennent de Bretagne. Et comme vous pouvez le constater, voilà comment... Quand on pénètre ici, vous pouvez trouver des produits typiquement en provenance de Bretagne. C'est même écrit produits de France. Vous avez des palais, vous avez du cidre. Tout vient de la marque de Val de Rance. Donc c'est une production typiquement bretonne. Vous avez alors, pour ceux d'entre vous qui vivent au Japon et que le saucisson vous manque, vous pouvez en trouver ici à le prix. Hein. Mais c'est normal, c'est de l'importation. C'est quand même, alors vous avez du saucisson de porc à 880 yens. Du caramel au beurre salé au sel de Guérande. Ici, qu'est-ce que vous pouvez encore trouver? Voilà, encore des palais. Ah ça, c'est pas mal ça. Comme par exemple, et bien vous avez déjà des amis japonais qui sont amoureux de la France. Dans cette boutique, vous pouvez trouver un bout de France avec cette boîte de biscuits de Bretagne. J'aime bien ces petits souvenirs, même quand j'étais en France, quand je terminais de manger tous les biscuits, j'utilisais la boîte pour y stocker d'autres objets. Bon, comme je suis un geek, je mettais mes câbles, mes batteries d'appareils photo par exemple. Et donc, là je continue la visite. J'ai envie de vous montrer aussi que dans cette boutique, on vous propose aussi de la ratatouille traditionnelle française. Je prépare une ratatouille. De la ratatouille.
Alors ici, comment ça s'appelle? Saveur du midi, une saveur de Provence. Tiens, c'est marrant, tout est écrit en japonais. Et ça coûte 1620 yens. Je vous laisse ici, je vous traduis le prix en euros. Et maintenant, on arrive à la dernière salle. Alors, cette petite salle qui est située en fond de magasin. Ici, vous êtes dans une petite salle où vous avez les dernières boîtes cadeaux, comme par exemple cette boîte signée Bertrand Larcher, le créateur du restaurant. Ici, vous avez le Bretagne Kagurazaka. Et à l'intérieur, vous pouvez trouver différents produits de Bretagne. Vous avez du cidre brut, de la soupe de poisson entier. Ça, j'adore manger. Quand j'étais en France, j'aimais bien partir en excursion au Mont-Saint-Michel. Et à chaque fois, je me ramène une bouteille de soupe de poisson de la région. Pour 2100 yens, vous pouvez offrir à vos amis japonais ici du cidre. Alors, vous avez trois types de cidre. Du cidre biologique, du cidre breton brut et du cidre doux. Et enfin, je vous présente ici un cidre d'Ivona de 2017, mis en bouteille à la propriété par Domaine Cécilon Sévignac. Quand je regarde la décoration, je me dis, il y a mon œil qui est attiré par la décoration à base d'assiettes bretonnes traditionnelles. Et regardez, en fait, même ici, on vous vend les assiettes. Alors, une assiette comme ça, 21 cm de diamètre, si je ne me trompe pas, c'est 5290 yens. Et cette grande assiette, 6870 yens. Ceci est un livre signé Bertrand Larcher qui vous propose 60 idées recettes autour des produits du terroir breton. Donc là, c'est plein de crêpes que vous pouvez trouver ici. Bah, il donne tous ses secrets en fait. Et vous avez deux pages de recettes. Une page pour vous décrire comment faire la crêpe et l'illustration finale sur la droite. Et c'est marrant parce que tout est en japonais. Bien, à présent, vous connaissez tout du restaurant Le Bretagne. Si jamais vous êtes en manque d'un petit bout de France, vous pouvez venir ici pour faire un petit aller-retour très rapide. Dans un bout de France, vous savez désormais où aller.